matin, Paris s'éveille au tintement des cloches de Notre-Dame. Les rues s'animent, le tout Paris revit au son des cloches de Notre-Dame. Les plus grosses qui résonnent comme le tonnerre, aux plus petites douces telles une prière. Même qu'on vous dira que l'âme de Paris est dans le glas des cloches de Notre-Dame. Écoutez, c'est magnifique, non? Toutes ces couleurs dans les timbres, toutes ces émotions. Mais vous savez, ces cloches ne sonnent pas toutes seules. Oh non! Mais non, jeune bougre. Regarde, là-haut, tout là-haut dans ce sombre clocher, vit le mystérieux sonneur de cloches. Qui est cette créature? Qui? De quoi est-elle faite? De quoi? Comment s'est-elle retrouvée là? Comment? Silence! Oh là là! C'est Clopa qui raconte. C'est une grande histoire, un récit qui parle d'un homme et d'un monstre. Toute cette histoire commence lors d'une nuit noire aux abords de Notre-Dame. Flustère, on s'en va se faire opérer. Calme-toi, mon chéri. Quatre gitans effrayés se glissèrent sous les quais de Notre-Dame. Ça fait quatre florins pour entrer dans Paris. Mais un piège fut tendu aux gitans qui frémirent quand ils virent droit devant le sinistre visage, le puissant personnage aussi grand. Le juge Claude Frollo. Cloche de Notre-Dame. Le juge Claude Frollo voulait purger le monde des pécheurs. Il voyait le mal s'étendre partout, sauf dans son cœur. Que ces gitans maudits soient amenés au palais de justice. Hé, hey, vous là, qu'est-ce que vous cachez? Oui, d'un vol, sans doute. Qu'elle rende ce qu'elle a pris. Elle courut. Stop ! Cria l'archidiacre. Cette créature est un démon et je la renvoie en enfer d'où elle est venue. Vous qui versez le sang des innocents sur les dalles de Notre-Dame. Je n'y suis pour rien. Elle a couru, je l'ai poursuivie. N'inscrivez plus d'autres crimes crapuleux sur les dalles de Notre-Dame. J'ai la conscience tranquille. Vous saurez bien mentir à vous-même. Vous pourrez justifier vos blasphèmes. En mon âme et conscience, je réclame justice et châtiment. Qu'impose les yeux de Notre-Dame. Pour la seule fois de sa vie de magistrat infâme, Frollo voit sur lui le blâme qu'il craint de toute son âme. Que dois-je faire alors? Élever cet enfant, tout comme s'il était le vôtre. Quoi? Que je m'embarrasse de cette créature difforme? C'est entendu. Mais je veux qu'il vive ici, dans votre église. Dans l'église? Mais où? Peu importe. Soigneusement cloîtré pour le soustraire à tout regard. Dans un des clochers, pourquoi pas? Et qui sait, les voies du Seigneur sont impénétrables à ce qu'on dit. Qui sait, un jour, peut-être même ce monstre me sera-t-il utile? Amen. Et ainsi, Frollo donna à l'enfant un nom horrible. Un nom qui voulait dire à demi formé, Quasimodo. Voici donc le mystère qui se cache derrière les cloches de Notre-Dame. Qui est le monstre et qui est l'humain?